Drake's a real good dude, first and foremost. You know, he heard my music probably a year back, reached out and just gave me respect on it. You know what I'm saying? Stop this man, Drizzy motherfucking Drake. There be no motherfucking weekend. There be no XO. So please, make some fucking noise for my mentor, my brother. Waouh, donc c'est officiel. Je pense qu'on peut finalement dire que Drake a répondu. Encore cette fois-ci, j'hésitais de faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça peut être AI. Mais quand j'ai entendu ça... Drop down and give me 50. Sound like you heard it. I didn't hear anything. Pour pas après entendre ça dans le diss track... Je me suis dit, ok, c'est bon, Drake a finalement répondu. Et il n'est pas là pour blaguer. Parce que dans ce diss, mes chers amis, il s'attaque à tous ses apps. Dont Future, Metro Boomin, Rick Ross, The Weeknd, et bien sûr, Kendrick Lamar. Et ouais, tous ces gens que j'ai mentionnés ont tous attaqué Drake. Shit, ça fait comme grave penser à la soirée où John Cena s'est fait attaquer par la Nexus. Ouais, non, c'était lui contre tout le monde. Mais bref, dans ce diss, Drake dit que Kendrick ne fait pas partie du Big Three. Parce qu'il y a Travis, SZA et 21 Savage qui sont beaucoup mieux que lui. Et il ajoute aussi que tous les gens de son propre label sont meilleurs que lui. Mais Drake s'arrête pas là, parce qu'il va lui dire qu'il veut pas se considérer comme un grand, avec une taille de 1m65, ou le fait qu'il porte du 40, a size 7 men's. Désolé pour ceux qui font cette taille, mais hey, ce ne sont pas mes mots. Il dit aussi que sa femme Whitney le trompe avec son bodyguard, ce qui est directement une référence au film de Whitney Houston avec Kevin Costner, le film The Bodyguard. Et si tu ne connais pas le film, ça saura te dire quelque chose. En faisant mes recherches, j'avais aussi vu que beaucoup de gens disaient qu'elle avait trompé Kendrick avec J-Rock, parce que J-Rock est vu comme le bodyguard de Kendrick. Mais perso, ça, ouais, non, ouais, ça m'étonnerait quand même. Après, on sait jamais. Drake, you did the same thing twice now. You mentioned Virginia Williams or whatever, Pusha T's wife. And you saw that nigga took the gloves off and we saw what happened. You mentioned Whitney and Kendrick Lamar's wife name is Whitney. You have to be prepared for anything. There is no... Oh, nah, I can't believe you said that. No! Et est-ce que vous vous souvenez encore quand Kendrick avait dit qu'il se considérait comme Prince? Et ben là, dans ce diss, Drake lui dit, ok, tu peux être Prince, mais un prince est considéré comme quoi pour un roi? Et ben, c'est son fils. Big difference between Mike then and Mike now. What the fuck is this, a 20v1, nigga? What's a prince to a king? He a son, nigga. Get more love in a city that you fun, nigga. Donc là, en gros, Drake dit que Kendrick, c'est comme son petit, quoi, et qu'il doit lui faire 50. Top say, drop your little midget ass, better. Et j'avoue que quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, oh, il veut dire genre 50 pompes, tu vois. Mais nah. Drake part des 50% des revenus de Kendrick qui allait directement vers Anthony Top Dog, qu'on est encore sous le label de TDE. Pouf, j'avoue comme quoi, yeah. Plutôt chaud. Dans la première ligne du son, il dit aussi qu'il peut jamais être un number one fan en réponse à Future et que son premier number one song, et bah c'est Drake qui lui a donné. Puis Drake va s'en prendre aux EXO Crew et Metro Boomin. Il dit d'abord à Metro Boomin de fermer sa gueule et de faire que des beats. Ouch. Il dit aussi que The Weeknd et ses potes font comme si qu'ils viennent du Six alors que c'est faux et que dès qu'ils ont percé, qu'ils ont directement bougé. Il dit aussi que la manager de The Weeknd, Cash EXO, dépense son argent sur des gars, si tu vois ce que je veux dire. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Clean a six and you boys ain't even come from it. And when you boys got rich, you had to run from it. Cash blowing, able bread out here tricking. Shit we do for bitches, he doing for niggas. D'ailleurs, The Weeknd a répondu avec ça en story quand le diss a leak. Ouais, on dirait que c'était plutôt marrant pour lui. Et puis, il s'en prend à Rick Ross. Et j'avoue que Rick Ross, perso, j'ai avoué comme que... Ouais, il doit quand même beaucoup à Drake. La majorité de ses sons qui ont charté, la plupart d'entre eux c'est avec Drake, faut avouer. Et c'est littéralement ce qu'il dit dans le son. Il dit aussi qu'il peut pas y croire qu'il l'attaque alors qu'il a 50 ans. Et d'ailleurs, Rick Ross a répondu en 2 heures avec un disque que je t'invite à écouter. En gros, dans son disque, il dit que Drake n'est pas vraiment noir et qu'il a refait son nez. Il avait même mis ça en story. Ouais, on dirait que pour beaucoup, c'était plutôt drôle. Ce que je trouvais quand même bizarre, c'est que Drake a classé Ja Morant sûrement parce qu'il est du côté de Metro et Future et apparemment aussi parce qu'ils ont date les mêmes go, dont Johanna Leia et Brooklyn Nicole, la sœur de Lado. Puis Drake dit aussi qu'il apprécie pas que J. Cole a changé d'équipe. Ouais, non, J. Cole s'est vraiment comporté comme Kaylee. Parce que oui, si t'étais pas au
au courant, J. Cole s'est excusé dernièrement pour avoir clashé Kendrick, ce que beaucoup de fans n'ont pas kiffé. Allez, les avis étaient plutôt divisés. Mais voilà, Drake fait comprendre qu'il avait pas kiffé. Et à ce qui paraît, J. Cole avait carrément appelé Top Dog pour calmer le beef avec Kendrick. Pause. Ouais, les gars, avant que vous écriviez dans les commentaires, je me suis trompé. Ok, ma faute. C'était pas J. Cole qui avait appelé Top Dog, mais c'était Kendrick qui avait appelé Top Dog. Parce qu'après avoir quitté TDE en 2022, selon Drake, Kendrick voulait revenir à TDE. Et c'est pour ça qu'il avait appelé Top Dog pour faire la paix. Ce qui rend le beef encore plus intéressant, à mon avis. I don't care what Cole think, that dot shit was weak as fuck. Champagne tripping, he is not fucking easing up. Nigga calling top to see if top wanna piece it up. Nah, pussy, now you on your own when you speaking up. Drake dit aussi que c'est fini, qu'il fera plus jamais des featuring avec ces gars qu'il a mentionnés. Parce que ouais, comme lui-même l'a dit par le passé, il a fait trop d'assists. Perso, en tant que fan de hip-hop, je suis vraiment content que Drake a enfin répondu à Kendrick. Je pense qu'on a attendu trop longtemps pour cet affrontement. Et voilà, très hâte pour voir les réponses de tout le monde. Parce que ouais, c'est vraiment Infinity War là. C'est vraiment Drake contre tout le monde. Et voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo les amis. Abonnez-vous si c'est nouveau sur la chaîne, on est presque à 10 000 abonnés sur la chaîne les gars, donc peace. Abonnez-vous, n'hésite pas à écrire dans la section de commentaires ton avis à propos du diss de Drake. Comme d'habitude, on se voit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace.